7 astuces pour mettre en valeur tes cuisses. Bonjour, je suis Annick Delfos, je suis conseillère en images et en communication non verbale. Est-ce que tu te retrouves dans l'une des situations suivantes? Alors, tu es complexé par tes cuisses, tu trouves que tes cuisses sont trop grosses, ou alors tu n'oses pas porter de jupe ou de robe. Si c'est le cas, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner 7 conseils pour mettre en valeur tes cuisses. Premier conseil, choisir des tissus fluides. Des tissus fluides sauront mettre en valeur tes formes en toute subtilité. Le deuxième conseil, le jean flare est ton meilleur ami. Le jean flare est parfait pour équilibrer le haut de ton corps avec le bas. Le troisième conseil, choisis la bonne longueur. Alors, si tu souhaites porter une robe ou une jupe, la longueur au-dessus du genou est parfaite. Le but est d'attirer l'attention sur la partie la plus fine de ta cuisse. Quatrième conseil, l'asymétrie. Une jupe asymétrique avec une fente est idéale pour donner cette impression de longueur à la jambe. Cinquième conseil, des couleurs sombres en bas. Alors, les couleurs sombres attirent moins l'attention que les couleurs claires. Sixième conseil, chaussures de la même couleur que sa peau. Porter des chaussures de la même couleur de sa peau, cela permet d'éviter de casser la longueur de la jambe. Si tu souhaites porter un pantalon, porte les chaussures de la même couleur que ton pantalon. Le septième et le dernier conseil, détourne le regard sur une autre partie de ton corps. Détourne le regard sur la partie haut de ton corps. Ça peut être par exemple par un joli collier. Alors déjà quelque chose d'imposant pour détourner ce regard. Ça peut être un maquillage aussi soutenu ou une jolie coiffure ou tout simplement un beau décolleté. Voilà, j'espère que tu as aimé ces conseils. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Sache que je publie une vidéo une fois par semaine. Tu peux également partager si tu veux en faire bénéficier une de tes amies. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!